Donc moi je m'entraîne au pôle de Montpellier, mais en ce moment en raison du confinement je dois m'entraîner chez moi. Donc nous on a un programme à suivre 6 jours sur 7 pendant 3 heures environ. Maëlle s'entraîne au pôle de Montpellier depuis la classe de 6e, ce qui lui a permis d'avoir un palmarès remarquable. Des podiums en Coupe Villancher, 3e au concours général lors de ses années juniors, une participation au premier championnat du monde junior l'an passé, elle est désormais dans l'équipe de France senior, pour laquelle elle a récolté la 3e place lors du dernier tournoi international de Corbeil-Essonne. Scientifique dans l'âme, c'est dans la recherche qu'elle se voit après sa carrière de gymnaste, car avant cela, c'est Paris 2024 qui lui met des étoiles plein les yeux. Avec un père anciennement en équipe de rugby à 13, elle sait que pour atteindre le plus haut niveau, il faut travailler. Elle vous propose donc une séance de proprioception à faire à la maison. Et je vais vous montrer quelques exercices pour les équilibres. Donc là, je les ai réalisés sans difficulté, c'est-à-dire sans obstacles, sans outils. Mais au fur et à mesure, si vous voyez que vous y arrivez bien, vous pouvez par exemple rajouter des poids au poignet, ou des élastiques entre les jambes, les faire sur une surface molle, ce que vous voulez, pour complexifier. Bisous! Pour commencer avec le premier exercice, on est en appui sur une surface rigide. On attrape en pied-main devant, puis côté, puis en pied-main arrière, et on reste 4 secondes dans chaque position. Cela permet de s'échauffer doucement. Ensuite, sur demi-pointe, on passe 8 fois d'équilibre arabesque à un équilibre en I. On est toujours en appui. Le buste passe donc d'une position verticale à horizontale. La jambe du haut doit être parfaitement tendue et on cherche son amplitude maximale. On réalise cela 8 fois, puis on change de jambe. On réalise le même exercice, mais cette fois-ci sur le côté en seconde. Le mouvement du buste permet de passer d'une oblique haute à une ouverture avec la jambe à la verticale. Toujours sur demi-pointe, on change de côté. Sur le même principe, on passe devant. Seul le buste bouge, on essaye de maintenir la jambe à la même hauteur durant tout l'exercice. Toujours devant, on refait la même série, mais avec l'autre jambe. Toujours
toujours sur demi-pointe, on attrape en boucle pendant 4 secondes. Ensuite, on essaye de lâcher les mains et de maintenir la position également 4 secondes. On peut refaire cet exercice 8 fois, et surtout des deux côtés. On refait également la même position en boucle, mais de l'autre jambe. En lâchant, il faut essayer de se rapprocher le plus possible d'une position de boucle sans les mains. On fait désormais des I contre le mur. Dans un premier temps, on remonte 8 fois le buste le plus haut possible. Ensuite, toujours dans la même position, on fait des ciseaux avec les bras le plus haut possible. Et ensuite, 8 secondes de poisson. Évidemment, on change de jambe et on refait les 8 remontées du buste le plus haut possible, puis les 8 secondes de ciseaux et les 8 secondes de poisson. On repart sur la première jambe, toujours en I contre le mur, et on touche 8 fois le genou avec le bras opposé, puis 8 fois, on attrape la jambe, puis on tend. Ensuite, on essaye le tout avec l'autre jambe. Si c'est la mauvaise jambe, c'est plus compliqué de tendre, on peut rester plié. Pour le prochain exercice, on a besoin d'une chaise. On va monter 8 fois en I sur la chaise et on essaie de rester dans la position 4 secondes. On peut faire quelques petits battements I au sol avant de tenter l'équilibre sur la chaise. Avec le jambe, on remonte aussi 8 fois en I et on reste 4 secondes. On monte également 4 fois en boucle et on reste également 4 secondes sur la chaise.
Avec l'autre jambe, on monte aussi 8 fois en boucle et on reste toujours 4 secondes. Maintenant, on va avoir besoin d'une petite balle de tennis. On va rester en e-boucle pendant 30 secondes de la mauvaise jambe. On peut poser la balle sur le dos en équilibre. Toujours avec la balle de tennis, on refait la même chose en e-boucle en essayant de mettre la balle en équilibre sur la tête cette fois-ci. La balle est donc bloquée entre le pied et la tête. Maintenant, on prend un élastique. On réalise 5 promenades de chaque jambe avec la jambe à l'horizontale devant. Allez, encore 5 promenades de l'autre jambe. Toujours avec le pied au milieu de l'élastique, une extrémité dans chaque main, on se met en I, on monte donc à la verticale, et une fois la verticale atteinte, on plie la jambe en e-boucle. On retend et on redescend. On essaye de faire ça 5 fois. On réalterne avec l'élastique les I et les I-boucles, mais cette fois-ci avec l'autre jambe. Désormais, on monte en équilibre I avec l'élastique dans la main. On transmet 5 fois dans un sens, puis dans l'autre. On remonte en équilibre I, on refait des transmissions, mais avec l'autre jambe. Désormais, on essaye de faire une promenade en I, d'un côté puis de l'autre. On essaye de tourner au maximum.
Allez, encore 5 promenades de l'autre jambe. Vous pouvez boire, mais surtout gardez votre bouteille d'eau pour l'exercice suivant. On descend en penché côté 5 fois, on pose la bouteille et on la récupère. Toujours avec la bouteille, on fait des penchés côté, mais de l'autre côté. On reprend son élastique pour le prochain exercice. On fait 5 i, on reste 4 secondes. Et on alterne avec une grande extension. L'élastique est posé et passe devant l'épaule de façon à pouvoir chercher l'ouverture maximale en I et lors de la grande extension. Si on est à l'aise sur la grande extension, on essaye de tendre la jambe du sol et de lever les bras. Il faut essayer de fixer en équilibre aussi bien en U que dans la grande extension. Cela pourrait être votre prochaine difficulté corporelle. Pour ce dernier exercice, on peut le faire dans toutes les formes possibles d'équilibre, aussi bien en pied-main devant, côté, penché côté ou encore en boucle-boucle tendue. Il consiste seulement à rester le plus longtemps possible sur demi-pointe dans la forme de notre équilibre. Si on est à l'aise, on peut tenter de lâcher les mains.